l'arbitre vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. Oh, il s'en est fallu de peu là. Anticipation sur ce coup, la défense qui veille. Ils reprennent possession du ballon. Sergio Aguero. Oh, quel beau ballon! Ah, il lui remet. Oh, c'est bien parti! Corner, ça va donner une occasion de but.
super arbitre qui va en profiter. On récupère le ballon. Ouais, ça c'est un ballon intéressant. En position, en chiffre. Regardez bien son déco. Et il récupère le ballon, heureusement, parce qu'il y avait danger. Et il passe. Et la voilà, la frappe. Un corner pour la Juventus. Son gardien bien placé. C'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de 0-0. Franck, on a le sentiment que les deux équipes se craignent pour le mieux. C'est un peu le sentiment que l'on a, c'est vrai. Elles ont montré un visage assez similaire finalement. Et ce score de parité en a la parfaite illustration. Voilà, l'arbitre a sifflé et ça va démarrer pour cette seconde période. La Juventus de Turin en action. Plus que le gardien éliminé. Hors jeu. Oh, dommage, il allait au but là. Gardien qui ne peut que repousser, c'est pas fini. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Alors je... gagner ce match, alors il tente, il a peut-être raison. Ah, dommage, cette passe qui file en touche. Allez, corner pour la Juventus de Turin. What was he thinking? La défense qui récupère le ballon sur ce corner vraiment mal négocié. Sergio Aguero. Wow. What a defensive lineup. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Yes, oh no. Je me tue à la récupération. Absolument. Bonne interception.
Ah, c'est un petit peu osé de la part de l'entraîneur là ce qu'il fait. Enfin, je pense qu'il a une idée derrière la tête. Et le joueur de la Juve qui reprend le contrôle du ballon. On espère qu'on va y trouver le gardien sur cette frappe lointaine.
avec ce but. Je ne sais pas s'ils se sont un peu déconcentrés ou pas, mais ce but égalisateur, là, en fin de rencontre, eh bien, regarde, t'as un peu qui pense à tout le monde. Et ils reviennent à égalité, deux buts partout. Ce jeu est important, il est importantissime. Mais oui, ils ne se sont pas contentés du match nul, ils ont voulu plus que ça, Hervé. Un petit but qui les sépare désormais, le score est de 3 buts à 2. S'appliquer s'il veut l'égaliser. Jusqu'à long de la tête. Il se livre sur ce tacle glissé. Et voilà, c'est terminé. Score final, 3 buts à 2. Quel sentiment, Franck, un bon final. Oui, mais une fois de plus, ça s'est joué sur un coup d'accélérateur en toute fin de match. Vous savez, quand une équipe est capable comme ça de faire la différence dans les dernières minutes, c'est signe de gros mental et d'une grosse confiance en soi. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci à tous, salut!